Bonjour Patrick, nous sommes ici au moulin de riz sur la commune de Beaussais-sur-Claise. Le moulin, c'est une histoire familiale. C'est une histoire familiale, oui. Mon grand-père était meunier de ce moulin. Il est arrivé en 1940. Le moulin en location à l'époque. Il l'a acquis en 1947. Il l'a exploité jusqu'en 1967, date de son décès. Et moi, je suis né ici, donc je l'ai vu tourner pendant 11 ans. Il était construit vers 1850 sur le site d'un autre moulin qui était de l'autre côté, à droite du Bief. Il était construit par Louis-Joseph Dauphin, propriétaire du château de Riz, voilà, qui est décédé en 1854, donc avant que le moulin soit terminé apparemment, et est décédé à Loches, chez son gendre de Marsay, qui est venu habiter ici au château de Riz après, mais qui apparemment était propriétaire de la chancellerie à Loches à cette époque-là. Il a appartenu au château de Riz jusqu'en 1947. Donc en 1850, il a été fait la première partie. Il a été agrandi vers 1910 parce qu'il a été modernisé à l'intérieur, donc mis avec des cylindres et tout ça. Donc il avait besoin de plus d'espace, donc ils l'ont agrandi. Donc derrière moi, on peut voir la pierre où il y a un trait au milieu et qui représente le niveau légal de 1870 à peu près jusqu'en 1970, date où les anciennes vannes ont été détruites par une crue et où un nouveau barrage et nouveaux clapets ont été installés, qu'on va aller voir maintenant. Donc là, nous sommes à l'endroit de la vanne de décharge, première vanne qu'on appelait, ou petite vanne, qui était en bois à l'origine, hein, qui ont été pareil refaites avec un système métallique. Voilà. C'était la vanne qui servait à vider le bief pour faire des travaux. Donc un moulin a toujours un bief qui amène l'eau. Et pour qu'il y ait un niveau d'eau dans ce bief, on fait une retenue avec un déversoir que l'on voit au bout et des vannes. Donc dans le temps, c'était des vannes en bois. Et depuis qu'elles ont été détruites, ça a été remplacé par un clapet automatique. Donc qui marche avec il y a une entrée d'eau sur le côté. Quand la crue est suffisamment haute, l'eau rentre par le trou, remplit le bac là, qui soulève, une fois que c'est plein, ça soulève un contrepoids qui fait baisser la vanne. Bon, maintenant on va aller retourner au moulin, mon oncle devra arriver. Mon oncle qui est le dernier meunier, il avait censé à peine meunier, il a travaillé quelques années ici, donc voilà. Il va nous expliquer le fonctionnement du moulin. À la sortie de l'école, j'avais décidé de faire moi aussi le meunier. Donc en 1952, j'ai fait mon apprentissage pendant 3 ans avec un CAP en terminale passé au Grand Moulin de Bléré. Et puis j'ai travaillé avec mon père pendant 4 ans jusqu'à temps de partir à l'armée. Donc j'ai fait tourner le moulin pendant 4 ans. Et au retour de l'armée, ça ne marchait plus très bien, donc j'ai décidé d'aller travailler ailleurs. Et j'ai quitté le métier de meunier. Mon père étant décédé en 1967, j'ai été obligé de faire tourner à nouveau le moulin pour continuer à écraser le blé qui restait. Alors on va mettre le moulin en route afin d'essayer de faire un peu de farine. On va baisser la vanne pour mettre de l'eau sur les aubes. Alors ça sert à la fois à démarrer et à réguler la vitesse. Parce que les moulins se conduisent à l'oreille. Et le blé arrive ici, est déversé dans cette trémie, monte par une chaîne à godet au sommet du moulin et sera stocké en attendant de passer au nettoyage. Alors, on va monter au nettoyage pour voir le circuit de départ du blé et après on passera au broyage. Les chaînes d'élévateur sont là, donc le blé est monté par les godets, déversé dans un silo au grenier. Et ce blé, pour être parfaitement propre pour faire une bonne farine, va passer à travers tout le nettoyage.
Tout d'abord, le trieur, qui va enlever les graines rondes, les pierres, les choses comme ça. Puis ça va passer par l'intermédiaire à côté d'un ventilateur qui va enlever toute la poussière, les balles, la paille, si éventuellement il y en avait, de façon à obtenir un blé parfaitement propre. Ce blé va redescendre au sous-sol, remontera par la chaîne d'élévateur et va passer dans une brosse à blé. Alors là, on montrera peut-être que plus tard, là-haut. Va repasser dans une brosse à blé et tomber dans un boisseau à blé propre, en attendant de passer au broyage. Voilà le circuit primaire du blé pour avoir une farine parfaite. Alors, à ma gauche, c'est le système à cylindre qui était homologué pour faire de la farine panifiable à partir des années 1900. Et ça, c'est l'ancien système qui faisait la farine avec les meules en pierre, mais qui est d'une autre époque. Ça a été abandonné, ça servait uniquement pour les animaux après 1910. Là, on va passer une première fois le blé dans le système de broyage qui permettra de retirer le gros son et de la semoule et la fleur de farine. Premier passage, simplement casser le grain de blé, qui sera suivi de trois passages, à nouveau dans les cylindres cannelés, tournant à deux vitesses différentes. Ces passages se feront en resserrant la proximité des cylindres, de façon à obtenir le maximum de semoule pour pouvoir tirer la farine après. Cet appareil est un appareil double, puisque d'un côté, c'est le broyage, de l'autre côté, le convertissage. La différence entre ces deux appareils, un a les cylindres cannelés, l'autre a des cylindres lisses. Alors, à partir de cette semoule, on va passer sur les cylindres lisses. À travers ça, tout ce qui passe dans les cylindres de broyage est remonté dans les boisseaux par la chaîne d'élévateur. La chaîne à godet, une sert pour le broyage, l'autre pour le convertissage. Cela permet de remonter la matière première dans les différents boisseaux du broyage. Au bout de quatre broyages, retirer le gros son et la semoule qui va passer au convertisseur. Donc, on va changer d'appareil. Voici le convertisseur qui actuellement ne tournait pas, mais qu'on mettra en route. Et dans ce convertisseur, on va écraser la semoule pour en extraire à la fois la farine, les premières recoupes, les deuxièmes recoupes, le petit son, qui sortiront à la suite d'un passage en bluterie réalisé par la deuxième chaîne d'élévateur qui va passer tous ces produits dans la bluterie centrifuge située au grenier. Cet appareil, on va le détailler. On va retrouver les mêmes dispositifs sur le système de broyage. C'est-à-dire, tout d'abord, la distribution du produit à travers les cylindres pour que ce soit réparti très régulièrement. Donc, il y a un système de réglage. Une fois que c'est réglé, suivant le produit, le passage se fait très bien. Et l'écrasement des recoupes se fait au moyen de rapprocher les cylindres
le plus près possible, sans échauffement, parce que c'est un produit qui prend feu de peur. À partir de là, ça va redescendre dans la chaîne d'élévateur, remonter à la bluterie centrifuge et extraire à la fois la farine, les premières recoupes, les deuxièmes recoupes et le petit sou. Alors ici, c'est tout le système de nettoyage et de blutage. Ici, le blessal, le premier boisseau dont on a parlé, la brosse à blé, la chambre à poussière, et puis là, la bluterie pour le broyage du grain, qui permet de tirer la semoule, la fleur de farine, et puis le gros son. Et ici, la bluterie centrifuge pour le convertisseur, qui permet dans la première zone de blutage, qui malheureusement est plus en état, la première zone de blutage, c'est la farine, avec un grain très fin sur la soie. Deuxième zone, les premières recoupes. Troisième zone, les grosses recoupes. Et puis le petit son qui sort tout au fond du blutage. Voilà, à partir de là, la farine tombera dans la chambre à farine et sera mélangée de façon à mélanger la fleur de farine et puis les différentes farines qui tombent au fil du passage sur le convertisseur. Pour économiser la peine à monter les sacs à l'épaule, il existe un tambour que l'on tend, la courroie, et qui monte le sac d'un étage à l'autre. Le marteau qui permet de faire tomber les graines rondes coincées dans le trieur, de façon qu'elles puissent toutes être expulsées. Avant la mélangeuse automatique, la farine était mélangée à la pelle et au rouable, qui n'est plus là. Et c'était ça ce qui servait au meunier à rentrer dans la chambre à farine. Les jambes étaient fermées.